Sur les chemins de Saint-Jacques, il y a des pèlerins pas comme les autres. Parti de chez lui à Strasbourg, Jimmy Drouet a atteint le Limousin en à peine 30 jours. C'est un pèlerin du 21e siècle, un amoureux de la nature, plus que jamais connecté. En même temps que je fais le pèlerinage, je fais quelques petites recherches au niveau des plantes, comme ça. Alors celle-ci, à mon avis, ça doit être de la reine des prés. Ou alors, je fais du géocaching. C'est une chasse au trésor. Et franchement, j'adore ça. Jimmy a le nez dans les écrans, mais ses papilles n'ont Dieu que pour les plantes comestibles. Ouh, là on a du plantain, là. Et comme ça aussi. Cette plante, elle est aussi comestible, surtout les feuilles. Et le... Merci. C'est assez nourrissant. Tout dépend ce qu'on veut. En temps de survie, ça peut l'être. C'est bon avec des pâtes ou des trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment super parfois. De riches connaissances accumulées à seulement 22 ans, en parallèle d'un BTS viticulture œnologie. Trois plantes en poche et c'est déjà reparti en quête d'un lieu où dormir. Non. Trop de pente. Là, j'essaye de repérer un terrain assez plat pour le bivouac. Bon, ça y est où ? Tu dors pas au gîte ? Ah non. Je me fais peut-être un gîte par semaine à peu près. Jimmy cherche avant tout le confort, les soirs des coups de pompe. Non. Le mieux, ce serait au rue. Son toit préféré reste la forêt. Il y installe son campement avec précaution. Donc ça, c'est vraiment mon petit fourneau. Comme ça, j'ai... C'est-à-dire ? Ouais, 4 plaques de métal pour faire mon petit feu. Un petit feu ? Ouais. C'est l'autonomie complète, là. Ah oui, ouais, oui. Déjà que pour l'eau, il y a quelques heures, je n'avais quasiment plus d'eau. Je me suis rechargé à la rivière du coin. Elle n'est pas polluée ? Non, il y avait une écrevisse d'eau. Et ça, pour tout ce qui est bactéries, j'ai ça. Qu'est-ce que c'est ? Un filtre à eau. Comme ça, l'eau de la rivière qui est là, je peux la boire directement, sans problème. Jamais malade. Rien ne te fait peur ? Non, même pas le sanglier. Au menu ce soir ? Du plantain, que j'achète directement dans de la farine. Comme ça, ça va me faire mon petit... Alors, soit pain, soit beignet. Et c'est quoi tes projets ? Mes projets, vivre carrément dans la nature. Ouais. En tant qu'ermite, on pourrait dire. Jimmy n'avait jamais marché plus de 2 jours. Il va essayer d'atteindre Saint-Jacques, si possible avant les vendanges.